suis dans marde à cause de toi! Impressionnant. D'après ce que je vois ici, vous avez un tout petit peu d'expérience en secrétariat. Je sais pas si c'est suffisant pour le poste. C'est pour ça que j'ai une lettre de référence qui... Oui, oui. Une lettre de référence de votre ancien patron, qui est en fait votre père, hein? Vantant les mérites de votre talent à faire semblant de travailler. Et comment vous êtes mature pour votre âge, puisque toi, t'étudies les courants socio-littéraires de l'Europe du 19e siècle le samedi soir, pendant que tes petites copines se pavanent avec leurs échasses sur Saint-Laurent. Écoute-moi bien, petite prétentieuse, de j'ai un bac en sociologie puis des fonds mutuels à 19 ans. Si tu penses arriver ici puis... Pierre! Oui, j'allais justement te... OK. « 20h10. Va falloir que je le donne, que j'y fasse comprendre que ça se fait pas d'arriver en retard, que c'est un manque de respect total. Puis c'est quoi le but de me convoquer dans un resto pseudo-branché du plateau? La musique est aussi plate qu'une game de curling en reprise un dimanche après-midi pluvieux. Après tout, l'impression puis le sentiment peut se tromper des fois. Puis la connivence, grosse bullshit. Sans parler de ses accoutrements. Je vais y envoyer une mise en demeure pour mauvais goût. Hey, excuse-moi, Sophie. Désolé, je suis en retard parce que... Mais en fait, il y avait mon éditeur qui voulait absolument que j'envoie un document pour ce soir, puis j'ai envoyé, puis ça y est. Ça va? Salut. C'est beau ce que tu portes. Merci. Ça te fait un beau teint, lumineux. Puis ça aussi, c'est nouveau? Un prince. Il portait un veston en lin couleur sable. Tu sais, quand tu reconnais la classe. Puis il avait une bonne raison. Comme il est journaliste, ben il préférait se libérer de son article avant notre rendez-vous. Pour avoir toute sa nuit. Non, mais c'est-tu assez craquant? Le père de mes futurs enfants.